Bonjour à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce premier tuto avec la Vooshka Box. Pour celles qui n'avaient pas suivi, donc j'ai créé avec Scrap Didi une box. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle contient, je vous mets le lien juste en haut. Et donc on va utiliser aujourd'hui certains des produits qui sont dans la Vooshka Box. Donc c'est parti, on va se réaliser une petite carte. Donc j'ai pris tout d'abord une base de cartes blanche, toute simple. On va prendre de la VersaFine. Et pour commencer, on va tamponner ce magnifique tampon mur grunge et fleurs que j'adore. C'est mon chouchou. Et j'ai vu que vous aviez été très nombreuses aussi à me le dire, que c'était également votre chouchou. Donc, je vais le tamponner directement comme ceci. Donc, il vous faudra, le mieux c'est quand même d'avoir une grande plaque de plexi. Donc, on enlève la petite couche de protection. Voilà. Et on tamponne. Voilà. Donc même si la fleur n'est pas très très bien imprimée, c'est pas grave parce qu'on va la retamponner tout de suite sur du papier aquarelle. Je vais ensuite coloriser ma fleur et mes feuilles. Donc pour cela, je vais utiliser des aquarelles. Vous prenez ce que vous voulez. Moi là, c'est mes feutres chouchou. Le chez Art Fox. Et maintenant, on découpe. Je vais faire ensuite des taches noires. Ensuite, je vais mettre en relief ma fleur. Je vais mettre un petit titre doré ici. J'utilise des stickers transparents. J'ai ensuite découpé un petit bout de stickers. C'était sur une planche de stickers. J'ai trouvé ça joli et je l'ai découpé. Donc je vais mettre en dessous ici. Et je vais rajouter donc une petite étiquette de la planche d'étiquette. Je vais tamponner mon sentiment. Je vais mettre celui-là, juste un mot. Je vais le mettre en relief également. Voilà, et j'avais envie de finir la carte en rajoutant deux petits crochets que je vais coller comme ceci. Oui, comme cela. Je vais juste rajouter un petit peu de paillettes pour terminer avec mon nouveau. Donc juste au centre des fleurs. Donc la toute dernière touche, c'est que je vais rajouter des petites étoiles dorées.
Et voilà la touche finale. On voit bien que ça brille au centre des fleurs. Et voilà, ce premier tuto avec la Vouchka Box est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Allez, bye bye!